Marche pas. Salut Mangal. Bon alors du coup, jouer. Partie 1, machin. C'est parti. La champignière. Ah. Ouah, comment il m'a... Oh, comment il m'a explosé la gueule. Ouh, c'est pas beau, hein. Oh, c'est pas bien. Putain, en explosant, il m'a défoncé. C'était violent. Oh là là, faut que je fasse gaffe où je vais en plus. Les cristaux comme ceux du bois des braves. Je suis certain qu'Oiti n'est pas étranger à leur présence ici, même s'il les avait semés sur son passage. Ça me rappelle une histoire d'ailleurs. Bref, en les suivant, nous avons de grandes chances de retrouver notre ami. Allons-y! Ah, fallait pas rester dedans. Très bien. Tiens, je l'allume comment lui? Là? Ah! Malinx le lynx! Ouch! Oui, merci. Sérieux, il m'a touché là. Bien qu'il y ait une sauvegarde. Oh, Witty! Les amis, je suis tellement content de vous voir. Lorsque j'ai enfin réussi à me défaire de la main maléfique, je me suis retrouvé perdu au milieu de ce dédale obscur. Au moins maintenant, nous sommes ensemble. Toujours si perdus, mais ensemble. C'est bien vous qui m'avez appris qu'il ne fallait pas perdre espoir. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, je suis certain que nous allons rapidement retrouver la sortie. Ça, c'est le Witty qu'on aime. Et tu as raison, en avant!
Ouais. Oh les cœurs. Oh les cœurs, les campeurs. Oh là là. Oh mais t'es sérieux? D'accord. Oups. Ah, mais j'aurais dû aller là, moi. Bye. Ah, c'est con. Ah, c'est pas très grave. Ouf, nous voilà sortis. Quel plaisir de retrouver la lumière. C'est vrai, ça. Où sommes-nous? Cet endroit ne ressemble pas à ma forêt. En tant que grand expert cartographe d'Omnia, je n'en ai aucune idée. Moi qui pensais que tu connaissais les moindres recoins de notre monde. Le monde des rêves est vaste et mouvant. Nous n'avons qu'à appeler cette région la prairie fleurie. Une prairie, il y a des fleurs, quelle imagination. C'est vrai que c'est... C'est bien.
Des fleurs. C'est une prairie. Comme prévu. Pas ça. Ah non. Ah bah non. Bon bah tant pis. Oups. Oh! Ah, oh, pas mal. Une forge. Nice. Remonte pas. Demandez. Oups. Est-ce que ça en valait le coup? Je suis pas sûr. Pas très sympa.
Did, vous avez remarqué? Quoi? Il n'y avait aucun Yanagi dans cette région. C'est vrai, ça? L'invasion serait terminée? J'aimerais partager ton enthousiasme, Moiti, mais tout ça me semble trop beau pour être vrai. Sanctuaire des pierres tombées. Eh bien, en voilà un endroit peu conventionnel, même pour Omnia. On dirait bien que ces roches sont tombées de l'archipel des vents depuis un moment. Je trouve ça si paisible, on dirait un sanctuaire. C'est un peu trop calme à mon goût. J'installerai bien ma nouvelle maison. Quoi? Il y a de la place, mes amis Mujin pourraient y élire domicile également. Et puis regardez, il n'y a aucun Yanagi aux alentours. C'est vraiment l'endroit idéal pour reconstruire mon foyer. Cette graine sera parfaite pour accueillir ma maison. Dommage qu'elles sont un peu petites. Eh bien, je vois que vous avez fini par retrouver votre ami. Waouh, vous m'avez fait peur. On n'apparaît pas comme ça devant les gens sans prévenir. Oiti, voici Vaya. Elle nous a aidés lorsque nous t'avons perdu sous les racines. Que faites-vous par ici? Ça veut dire, je vous suis depuis votre rencontre. La lumière que vous transportez est une partie de moi, et donc en quelque sorte participer à vos aventures à vos côtés. Oui, sans le côté dangereux de l'aventure. Chacun son rôle, et le mien est de vous éclairer sur la voie que vous avez choisie. Oiti, tu peux t'installer ici, c'est compréhensible, mais es-tu certain de ton choix? Oui, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est le bon endroit pour reconstruire un foyer pour mes amis Mujin et moi. En ce cas, laisse-moi t'aider à faire à ce souhait une réalité. Pankapu, Shi, en attendant que je prête main forte à Oiti, j'aurai une mission pour vous. Pareil qu'il va encore falloir crapahuter. Super spicace, petite araignée. Mais rassure-toi, je ne vais pas vous envoyer à l'autre bout. Il existe une fleur, Itika, qui a la propriété d'ouvrir les graines célestes comme celle dans laquelle Oiti souhaite emménager. Et donc nous allons devoir parcourir la périphérie pour la trouver. Ça ne sera pas si facile car cette fleur très spéciale ne pousse que sous les racines. Sérieusement? Bon, et bien c'est reparti pour le royaume de l'obscurité. Ouais. Moi j'étais bien dans l'obscurité chiante. Ah, il m'a défoncé. Pas très sympa. Ça, c'est pas très sympa. Oh putain. Merci, hein.
Ah! Ils font mal. À deux comme ça, ils font un peu trop mal quand même. Bah. Oh là là. Ah, c'est ça la prise explosive. Non, y a rien, tiens. Bon. Je pensais qu'il y aurait peut-être un truc. Salut Gamanimous. Ah.
Bah non. Même. Oh mais c'est abusé ça. C'est abusé. Oh faut faire ça. Et sûrement ouais. N'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. L'autre connerie qui te tire dessus, plus l'autre connerie qui te martèle la gueule. N'importe quoi. Bah oui, à un moment ça va pas le faire. Mais. Ah. Mais non! Et puis tu vas rire. Incroyable! Ah, oh, ces passages, non. Chiant, comme c'est pas permis.
Ah. Oh. Ah, je l'ai défoncé? Non. Je l'ai défoncé à ce point-là? Ah, c'est violent. Ah, c'est pas bien pour lui. Hein. Vous venez de trouver une Ithika. Très bien. Il me fallait. Ça pour ça? Bon, maintenant que nous avons l'Ithika, retournons auprès d'Oiti au sanctuaire des pierres tombées. Dépêchons-nous, j'ai un mauvais pressentiment. Sans blague. Ah oui, quand même. Bonjour madame. Gangrène, ah oui quand même. Je te tiens enfin, petit être insignifiant. Tu as réussi à m'échapper à plusieurs reprises, mais c'est ici que ton escapade se termine. Ton pouvoir sera bientôt mien, me permettant de parachever mon œuvre. C'est qui encore celui-là? Relâche tout de suite notre ami ou tu auras affaire à l'épée de Pankapu. Oh, impitoyable gardien des rêves et son insecte de compagnie. Alors déjà, les araignées ne sont pas des insectes. Elles ont 8 pattes alors que... Silence! Ta voix stridente m'insupporte. Tu parles beaucoup trop pour un insecte. Non mais pour qui il se prend? Gangrène le magnifique, prince des cauchemars et grand maître de l'effroi, n'a que faire de vos palabres. J'ai ce que je suis venu chercher et n'ai pas de temps à perdre avec de la vermine. Profitez bien du temps qu'il vous reste, pauvre pantin. Les trois coups ont déjà retenti, le destin d'Omnia est sur le point d'être scellé. Et lorsque le dernier acte se jouera, plus personne ne pourra s'opposer à l'avènement de la Reine Noire. Rideau. Pas très sympa. Non mais quelle diva. Vaya, tout va bien? Que s'est-il passé? Qui était-ce et que voulait-il? Tetsuyanagi est apparu de nulle part, peu de temps après que vous soyez parti. Il n'a rien dévoilé de ses intentions, mais s'en est pris directement à Uti. Le pauvre petit s'est débattu tant bien que mal, mais au final, Gangrène était trop puissant. Je n'ai rien pu faire pour lui venir en aide, je suis désolé. Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer comme ça, il faut retrouver Oiti et en finir pour de bon avec cette Yanagi. Il semble tirer les ficelles de cette invasion. Gangrène a parlé de la Reine Noire, qui cela peut-il bien être? Ce n'est quand même pas le nom qu'il se donne dans sa folie mégalomane. Il est envisageable qu'il fasse allusion à... Non, ce n'est pas possible, pas elle. Ça. Vous avez trouvé l'Ithika? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ce changement de sujet? Venez à moi. La mystérieuse Vaya prit l'Ithika. Oui, bon. With the flower in her hands, yeah. She approached the central seed of the sanctuary, which began to glow with a warm, mellow light. Alors. Ah, ça marche bien. Opening up like a flower in the sunlight, the seed revealed something quite unexpected. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Oui, je m'en doutais, j'avais donc bien senti sa présence. Sens. C'est sans doute pour ça qu'inconsciemment Oitis désirait s'installer ici. Mais encore? Cette pierre est une égide. Celui de fougue, pour être précis. Il contient un pouvoir semblable à celui de bravoure, que tu possèdes déjà et qui te procure des capacités, Pankapu. Et qu'est-ce qu'un objet d'une telle importance fait ici? Ça, je ne le sais pas. Ce sera à vous de le découvrir. Ce qui est certain, c'est que cette égide n'est pas arrivée ici par hasard. Que voulez-vous dire? Les gîtes sont issus du cœur de certains esprits. Celui de Pankapu, par exemple, provient du cœur de votre ami Oiti. Quoi?
C'est donc le pouvoir d'Oiti qui nous permet de l'aider depuis le début? Eh oui. Ironique, n'est-ce pas? Parfois, les esprits confient leurs égides à Limn, Ik et Tommy afin qu'il en fasse don à ses gardiens pour les protéger. Et donc, que fait l'égide de Foug ici? Une bonne question, et je pense que retrouver votre ami est la première étape vers l'éclaircissement de ce mystère. Prenez la pierre, servez-vous de son pouvoir et sauvez Yeti pour tirer tout cela au clair. Et voilà, c'est encore à nous de faire tout le boulot. Vous venez de trouver l'égide de Foug. J'ai débloqué l'égide de Foug. Vous pouvez désormais changer d'équipement et de compétences en utilisant LB ou RB. Foug est spécialisé dans les déplacements et l'attaque à distance. C'est une égide qui peut faire de lourds dégâts, mais attention à sa protection réduite. Plus des détails, consultez votre inventaire dans l'onglet équipement. Ok, on va voir. On va voir ce que ça vaut. Bon archer. Apparemment, Gangren a ramené les Yanagi dans la prairie fleurie. Et si tu essayais tes nouveaux pouvoirs pour leur montrer qui est le patron? Pense. Ça, c'est du... Ah, Egid peut faire un double saut, c'est pratique. Pratique ce double saut. Oups. Efficace. Oh là, ça va pas d'arriver comme ça.
Moi je fous des frayeurs comme ça là. Alors. Waouh, j'ai pris tellement cher. Abusé. Et puis en plus, ça recommence là. Oh. Sérieux? Sérieusement. Eh bien qu'il fallait pas aller en bas. Ah lui il peut aller sur ces trucs là, d'accord. En mode Osef, ça passe. Son armure est moins lourde. Du coup. Oh, c'est pas mal. Alright. Ça avance.
Ah, pas mal. Ah là là, c'est calme hein, comme jeu quand même. Amélioration de l'arme. Oh là là. Oh là. Il y a du monde. Mais il y a la amélioration. Oh la laine, putain. Non. Ah.
Ok. Alors, jouons. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La forêt était complètement cristallisée, les arbres sont desséchés, vidés de tout anima, et partout des cristaux rouges, comme ceux d'Oiti. Je pense que c'est notre ami qui en est la cause. Impossible. Oiti serait incapable de faire une chose pareille, je suis sûr que c'est Gangrène qui est derrière tout ça. Essayons de nous frayer un chemin pour comprendre ce qui s'est passé ici. Faisons ça. Ah. Alors... Ah, y'a rien pas, c'est dommage. D'ailleurs, il est beau bleu. Oh, je m'en fiche. Violemment. Ouais, c'est pas si mal. Après, si tu veux faire la connexionnite aiguë, t'es mal barré.
Heuriste. Ouais, ça c'est sûr. M'énerve ce... Elle m'énerve cette chauve-souris de chiasse là. Alors... Alors les grottes nulles, je m'en serais passé. Hein. Regardez le dernier.
Salut le flipper. Ok. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est encore que cet objet? Fais attention, Pankapoo, on ne sait pas ce qui peut se produire en le ramassant, c'est peut-être un piège. Bravo, vous avez débloqué le pouvoir de détruire les cristaux de bravoure. Ah! Désormais, lorsque Pankapoo est équipé de l'égide de bravoure, vous pouvez détruire les cristaux rouges avec une simple attaque. Au passage précédemment inaccessible. Ouvre-toi-vous. Super. Bon d'accord, ce n'était pas un piège, mais ne va pas penser que je suis un trouillard. C'était de la prudence. Nuance. Il semblerait que ce soit l'orbe d'un fragment. Il semblerait que cette orbe soit un fragment du pouvoir d'Oiti. Je suis certain qu'il l'a laissé exprès ici. Même en captivité, ce petit gars essaie de nous aider. Dépêchons-nous de le retrouver, compte sur nous. Super. Ah, oui.
Ouais, du coup, ça casse aussi les cristaux sur les ennemis. Quoi, t'es sérieux? C'est pas bien de perdre autant de vie. Si vite. Ah putain. Bon, je vais peut-être faire un raffle moi pour le prochain jeu. J'ai dit qu'il fallait que je le fasse, donc je vais le faire. Ça me permet en plus. Je fais une petite pause. Ah, alors. Bah allez, raffle. Pour proposer le jeu qui suivra Franck Capou.
N'hésitez pas à faire raffle, hein. Il y a une liste de jeux. Vous choisissez dans la liste de jeux un des jeux. Si vous, si vous gagnez le raffle. Ah là là. Oh. Ouais, je fatigue vite hein, quand même. Fatigue. Alors, il y a quelques raffles, c'est bien. Pas hésiter. Ah, la liste de jeux, tiens, que je me l'ouvre aussi. Hop. Bah oui, il y a pas mal de jeux terminés, oui. Il y en a 93, 92. Ma manette qui vibre sans raison, c'est génial. Enfin si, il y a le jeu qui tourne en... un peu, mais... A priori, c'est pas sûr. Alors... Bon. On le raffle, hein. Je pense que si vous vouliez le faire raffle, vous l'avez fait. Tant pis pour ceux qui ne sont pas là, ils avaient qu'à être là. Du coup, eh bien, je vais clore, je vais draw et je vais voir. Oh, la manette, arrête de faire de la merde, please. Elle bouge toute seule, pour rien. Elle vibre toute seule, pour rien. C'est con. Alors, close. Oh. Ah bah c'est UMMan qui a gagné le raffle. GG. Ah. His origins. Origin. Ok. Hop. Ok. Calme-toi la manette. Oh, calme-toi la manette. N'importe quoi là. Bon, bah allez. Continuons à jouer à Pankapu pendant quelques temps. Alors, on en est où? On est là, la lande déchirée.
Oh, la manette qui vibre pour rien, ça commence à me gonfler. Hein. Ouais, c'est pas sympa. Ah putain, la scène. Pas la scène, hein, c'est la capture d'écran de la bite. Et pourquoi ma manette elle vibre pour rien? Comment ça me gonfler là? Ma manette vibre pour absolument rien. Ça m'énerve. Elle a aucune raison de vibrer, elle vibre. Mais non, mais je les ai enlevés dans les options et ça vibrait toujours, donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais, et du coup on en est à la lampe déchirée. Bien. Ça fait toujours plaisir. Oh mais t'es sérieux là? Putain c'est casse-couille. Putain, c'est chiant.
Oh, c'est pénible. Ça, c'est juste pénible comme phase de merde. Bon, on va faire autrement. Et d'où? Les phases de merde. Mais t'es sérieux là? Putain! Oh, c'était chiant. Débile. Est-ce que je vais tenter de 100%? Pas du tout. Ça va énormément me casser les couilles de le faire.
Évidemment. Oh, ça me saoule. Bravo. Ferme. Débile. Oh là là, sérieusement. Ouh.
Ah, les autres cons qui explosent dans tous les sens. La frondaison écarlate. Ah. Bonjour. Encore toi? Tu dois être un fan pour me poursuivre jusqu'ici. Tu veux un autographe? Ogren, ne prends pas tes rêves de diva pour une réalité. Nous sommes ici pour Ouiti. Oh, je vois. Ogren le magnifique n'est pas assez bien pour vous. Vous n'en avez que pour votre ami. Qu'il en soit ainsi. À la place d'un autographe, je vous offre un épitaphe. Ah. Votre boss. Gangren's mocking laugh echoed as he vanished, and behind Ban Kapu and Chi came a loud thud, accompanied by a violent quake. Well? This is us. The two companions were horrified to discover that their friend had been trapped in the heart of an immense crown. Feeding off Ohiti's power, the royal gelato charged at Ban Kapu. To avoid suffering the same fate as his friend, all he could do was flee. Huh. Oh là là. Oh là là. Je cherche à comprendre ce qu'il faut faire. Oups.
trop de dégâts. Bon, faut tout refaire. J'ai pas pensé à l'épée avant. Dommage.
Putain. Passe pas bien. Un demi-cœur. C'est pas bon du tout, ça fait. Bah oui. Ah et merde. Mon dieu. Compliqué, hein. Putain de merde. Ah putain, j'aurais dû me barrer. Je vais laisser tuer ces deux merdes. Quoi? Oh mais qu'est-ce que c'est la galère? Pas possible. Je peux galérer autant.
Putain! Quel con. Change de perso, bordel. Pas de, d'armure. C'est pas possible, bordel! Mais merde, j'en ai marre! Je vais y arriver à un moment ou quoi? 3 ans pour tuer un boss, quoi! Chier! C'est fou, c'est fou, j'arrive à rien. Oh, je suis zéro. Thank you.
Oh là là. Oh mais t'es pas sérieux ! Putain ! Oh merde ! Y'en a marre là ! Mais une cible, hibou ! Putain ! Oh j'en ai ras-le-bol ! Mais j'en ai ras-le-bol ! Boss des emmerdes. Bravo, superbe, génial, incroyable, j'en ai putain de marre. Hein. Putain, mais tu rates un saut, c'est tellement punitif, quoi.
ras-le-bol, hein. J'en ai vraiment ras-le-bol, hein. C'est impressionnant à quel point j'en ai ras-le-bol. Mais d'où tu le rates ton saut, putain ! Oh là là ! Super. Eh bah putain. Betty, tu vas bien? Oui, merci d'être de nouveau venu à mon secours. Je ne pouvais rien faire, j'avais beau lutter, c'est Yanagi. Je puisais dans mon Amina pour assécher la forêt. C'est de ma faute, si seulement j'avais été plus fort. Tu n'y es pour rien, Witty, c'est Gangren qui s'est servi de toi. Et puis c'est grâce à toi et au pouvoir que tu as confié à Pankapu que nous sommes parvenus jusqu'ici. Sans eux, nous n'aurions jamais pu traverser tous les obstacles qui se dresseraient devant nous. Au final, tu as été aidé toi-même. Incroyable. Gangrayan leapt out of the shadows, a menacing smile playing on his lips. C'est pas très gentil. Slyly casting a projectile at the Dreamkeeper, he took Pankapu by surprise. The evil spell looked as though it would hit him full force.
All of a sudden, Ohiti, fast as lightning, jumped in front of Pankapu. Empowered by the bravery his friends showed when they'd come to his aid, he regained full mastery of his abilities. Ah oui, quand même. Brook, Ohiti's turn to save them. Pushing back with all his magical might, he deflected the spell back to its source, banishing Gangrayan in a plume of black smoke. Waouh, Iti, c'était impressionnant, tu nous as sauvés. J'allais vous blesser. J'ai eu un réflexe, je n'ai pas su réfléchir à ce que je faisais. Eh bien, tu devras arrêter de réfléchir plus souvent, ça te réussit. Je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Si seulement j'avais découvert ce pouvoir plus tôt. Ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Ce qui est fait. Maintenant que tu as conscience de ta force, il faut aller de l'avant. D'ailleurs, en parlant de ça, nous avons quelque chose à te montrer. Ah alors, l'égide de fougue, où l'avez-vous trouvé? Dans le sanctuaire des pierres tombées. Il était caché dans une graine. Vaya nous a dit que tu en saurais peut-être davantage à son sujet. Cette égide est issue du clan de ma sœur, Ohoko. Il vit dans l'archipel des vents. Il devrait être en sa possession normalement. Et dans la prairie fleurie, de nombreux rochers chutaient rapidement du ciel. Cela arrive de temps en temps, le sanctuaire de pierres tombées en est la preuve. Mais là, c'est anormalement régulier. Quel rapport avec ma sœur et son égide? Réfléchis. Ces rochers provenaient de l'archipel des vents. Et on ajoute à ces éboulements étranges la découverte de l'égide de ta sœur cachée dans une graine, probablement tombée du ciel, elle aussi. On peut en conclure que... Ma sœur a des problèmes. Ne nous affolons pas, ta sœur va peut-être très bien. Néanmoins, la situation de l'archipel des vents est préoccupante. Gangrène en avait après toi, Ohiti, il y a des chances qu'il soit également à la recherche du pouvoir d'Ohoko. Nous devrions sans tarder nous y rendre et voir si tout va bien. Oui, dépêchons-nous. Une revanche à prendre sur Gangrène. Quelle détermination. La nouvelle Ohiti que nous avons là, c'est grâce à toi qu'il est devenu si brave. Néanmoins, sois prudent, Pankapu. Je n'aime pas la tournure que prennent les événements. D'autant que nous ne savons toujours pas qui est cette fameuse reine noire dont parlait Gangrène. Thus, Pankapu and his companions left Peppu to make their way to the archipelago of the winds. Filled with hope and courage, they were determined to find out what had happened to Ohoko and to stop Gangrayan in his destructive tracks. However, the shadow of the Black Queen and her acolyte still loomed over Omnia. Okay. Et le monde, la montre est pépue. T'en pépue. Archipel des vents. On a raté des trucs. Rien à foutre.
Bah, y'en a des saloperies. Plus rapide. Voilà, qu'est-ce que tu fais là? Je retourne la question, mon frère. Que fais-tu si loin de Pépu? C'est une longue histoire. Pépu a été attaqué par les Yanagi, mais Pankapu, le gardien des rêves qui m'accompagne, a réussi à les repousser. Au cours de notre aventure, nous avons trouvé les gîtes de notre sœur, Ohoko, cachée dans une graine céleste. Nous sommes donc pas trop occupés pour s'assurer qu'elle va bien. Je vois. Ces monstres sont donc parvenus jusqu'à Pépu. Heureusement que vous étiez là pour les repousser. Figure-toi que je suis moi aussi à la recherche de notre sœur. Elle agit bizarrement ces derniers temps et je voudrais tirer ça au clair avec elle. Pourquoi ne pas la chercher ensemble alors? Tu verras, un capot parle peu, mais son acolyte Chi a la langue tellement pendue qu'il meuble les conversations pour deux. Connaissant notre sœur et sa tête brûlée, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit mise dans des saltras. On ne saura pas trop pour l'en tirer. C'est hein. Ça risque d'être casse-couille. Ohoko! Je te l'avais dit, elle agit bizarrement en ce moment. Mais ce n'est pas possible, c'est comme si elle ne nous avait pas reconnus. J'ai peur que ce soit un peu plus compliqué que ça. Le seul moyen de tirer ça au clair, c'est de la rattraper et de l'obliger à nous parler. Oula.
Alors. Nouvelle épée. Vous avez trouvé la lame plume. Vous venez de trouver la plume d'Oroko. Grâce à elle, Pankapu peut désormais flotter dans les courants d'air et ainsi atteindre des zones jusque-là inaccessibles. Attention, la plume d'Oroko ne fonctionne qu'avec l'égide de fougue. Si Pankapu utilise notre égide, les courants d'air n'auront aucun effet sur lui et passer par l'un de l'un à l'autre avec LB1. Gna gna gna. Ok. N'importe quoi. Bon, on ne s'en sort pas vraiment. Ou elle est trop rapide. Oui, elle est trop rapide. On pourrait trouver un moyen de la ralentir. De nous trois, elle a toujours été la plus impétueuse. Il va falloir user si on veut parvenir à l'attraper. On n'y arrivera jamais si on continue. Oh. Vous n'êtes même pas capable de vous défendre par vous-même. Oko, enfin tu te montres, on te cherche depuis tout à l'heure. Comment dire attends, cher frère. Toi et tes amis n'êtes visiblement pas de taille pour affronter des Yanagi. À ce rythme, vous n'allez pas faire de vieux os. Retournez à Pépu et laissez-moi faire, je me charge de repousser l'invasion. Mais Pankapu est un gardien des rêves, c'est sa mission de vaincre ses cauchemars. En parlant de ça, gardien, qui t'a autorisé à utiliser mon égide de fougue? Je l'avais mis en sécurité pour que personne ne le trouve, certainement pas pour qu'un apprenti héros. Je le récupère et s'en serve n'importe comment. Rends-le-moi. Ah, j'ai plus l'égide de fou. Allez-vous-en et ne revenez plus. Non mais ça va pas, elle est complètement siphonnée, notre sœur, votre sœur. Vous avez bien dit qu'elle était bizarre en ce moment. Ça ne lui ressemble pas d'agir comme ça, je suis certaine que ce sont les Yanagi qui sont derrière tout ça. Ne trouve pas d'excuses, elle a toujours eu un tempérament conflictuel. Elle profite sans doute simplement du bazar ambiance en Omnia pour se mettre en avant. C'est notre sœur, elle n'agirait pas comme ça sans raison. Moi je suis persuadé que c'est un coup de gangrène et de ses sbires. Tu es trop indulgent avec elle, comme toujours. Puisque c'est comme ça et que tu n'as qu'à rester avec Pankapu et Shi à essayer de l'attraper et de la raisonner. Pour la raisonner, moi je vais mener l'enquête de mon côté pour te prouver que c'est la corruption des Yanagi qui est responsable de cet état. Tu pars tout seul, Oiti, tu es sûr que ça va aller? Ne vous en faites pas, vous m'avez prouvé que j'avais la force de me défendre seul. Je ne suis plus le petit Oiti qui pleure au milieu de la forêt.
Soyez prudents. Bon, on va s'arrêter là parce que... On va s'arrêter là pour Pancap.